Aujourd'hui, on est dans un monde qui change, hein, tout le monde le voit, et on a donc de nouvelles responsabilités en tant que fabricant. On a à faire face à la fois à la crise Covid, donc, qui nous impacte, hein, mais également à des problématiques liées à l'environnement, à la fois la réduction des plastiques, à la fois les nouveaux enjeux de décarbonation, tout ce qui est lié à la compétitivité. Toutes ces contraintes, ce sont des enjeux auxquels on doit répondre, évidemment, mais c'est aussi des opportunités. De multiplasturgie, on passe aujourd'hui à porteur de solutions dans un spectre encore plus large, puisqu'il y a de nouveaux terrains à investiguer. Nos ambitions, faire en sorte que nous soyons un partenaire incontournable, hein, le partenaire préféré de nos clients. Elle se matérialise totalement au travers de notre promesse, hein, la promesse que l'on a envers nos clients et envers nos collaborateurs. C'est un, le lighter, donc produire plus léger, faire en sorte qu'on allège pour dépenser moins d'énergie et donc diminuer l'empreinte carbone. Deux, smarter, plus d'intelligence dans les produits qu'on va fabriquer. Et puis greener, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui de l'environnement. Et donc là, on va devoir utiliser des matériaux recyclés, utiliser des bioplastiques, être beaucoup plus performant dans nos moyens de production, donc pour pouvoir diminuer notre consommation d'énergie. Cette nouvelle marque, elle va aussi imager le virage qu'on est en train de prendre depuis quelques années, mais qu'on accélère autour de l'industrie 4.0. Tous les investissements qu'on est en train de faire, à la fois dans le digital, dans la robotisation, dans le numérique à tous les niveaux. Et donc, c'est aussi l'occasion pour que tous les sites portent cette nouvelle identité au travers de cette nouvelle stratégie. En étant beaucoup plus vertueux au niveau de l'environnement, en étant beaucoup plus technologique et beaucoup plus compétitif en termes d'offres, on sera capable de préserver l'emploi et assurer le futur de nos entreprises.